a new world, painted two-tone. Came straight up out the trap with a mission. Got hard. Yup, c'est l'Internet 7.2. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Didi Tricks, OKLM Freestyle, Bédo. On va voir ce que ça va donner. Et ouais, en ce moment, Didi Tricks, c'est genre le mec... Didi Tricks, c'est genre le mec que les gens voient venir maintenant. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens pensent que... Pas mal de personnes vont devenir connues cette année, mais Didi Tricks apparemment en ferait partie. Écoutez, moi j'écoute, hein. On va voir ce que ça va donner en plus. Clac clac, nouvelle coupe. On va voir ce que ça va donner. Let's go! Rue Fontaine, c'est où ça? Ah, ça se voit que c'est un freestyle. Roule encore un bidou. J'ai dit roule encore un bidou. Roule encore un bidou. Roule encore un bidou. C'est de la frappe, c'est ce qu'on vend dans la zone. Moi aussi je roule encore un bidou. Roule encore un bidou. Roule encore un bidou. C'est de la frappe, c'est ce qu'on vend dans la zone. Moi aussi je roule encore un bidou. Roule encore un bidou. Roule encore un bidou. Je suis dans le bâtiment, je me suis levé tôt. Roule mon premier bédo, fume, fait fumer les autres. Et quand vous en voulez, revenez vite dans la zone. On est tous les jours là pour vous fournir vos doses. On est tous les jours là, on n'est jamais en pause. On encaisse, on remplit nos poches. Tout en évitant les cops. Ils empestent, ils prennent des toffes, mais ils capteront jamais vraiment nos méthodes. Drogue, trafic de stup. Ouais, c'est bien nous, c'est le 9-3. C'est nous. Drame, arme. Ouais, c'est bien nous, c'est le 9-3. C'est nous. Roule encore un bédo. Roule encore un bédo. C'est de la frappe, c'est ce qu'on vend dans la zone. Moi aussi, je roule encore un bédo. Roule encore un bédo. Roule encore un bédo. C'est de la frappe, c'est ce qu'on vend dans la zone. Moi aussi, je roule encore un bédo. Roule encore un bédo. Roule encore un bédo. Avant de faire dodo. Roule encore un bédo. Toujours un jour au bec. Ouais. Je vis sur le deck, ouais. T'en veux pas ça la tête, ouais. Rue Fontaine, tu connais l'adresse, ouais. On a tout ce que tu aimes. Le bon jeune bien mousseux, la bœuf qui donne des ailes. Les Yankees sont fidèles. Je leur avais dit qu'on a tout ce qu'ils aiment. Oui, on a tout ce qu'ils aiment. Hormis les deux bandes noires sur le côté, par contre, qui niquent complètement le clip, sinon ça passe. Tous les clients achètent. Roule encore un bédo. Roule encore un bédo. C'est de la frappe, c'est ce qu'on vend dans la zone. Moi aussi, je roule encore un bédo. Roule encore un bédo. Roule encore un bédo. C'est de la frappe, c'est ce qu'on voit dans la zone. Moi aussi je roule encore un bédo. Roule encore un bédo. Roule encore un bédo. C'est de la frappe, c'est ce qu'on voit dans la zone. Moi aussi je roule encore un bédo. Alors, comment... Ouais. En fait, ça reste un bon clip. Pour moi, ça reste un bon clip. Ça reste un bon clip. Maintenant, c'est vrai que... Enfin, ça se voit, clairement, il a dû être fait vite fait. Mais genre, grave vite fait. Après, non, il y a quand même un minimum de moyens, etc. Pour moi, quitte à louer, ou à prendre, ou à acheter, ou n'importe quoi, un fourgon de la BRI, qui est un service de la police... assez connu si vous y connaissez un peu dans tout ce qui est police, etc. Quitte à en prendre un et à faire un clip avec, autant faire un vrai clip. T'as pas besoin de ça pour faire un freestyle. Maintenant, je pense qu'il a quand même, on va dire, les moyens de faire quelque chose, même s'il est pas connu grand public, mais il peut quand même faire quelque chose. Et ouais, ouais, ouais. Alors après, par contre, alors en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, arrête de le comparer à Koba, etc. Sauf que Koba est devenu connu en partie grâce à sa voix, et si ce mec-là devient connu, faut qu'on se dise la vérité, ce sera aussi en partie grâce à sa voix, voilà, faut qu'on dise la vérité, faut pas qu'on dise lui il est devenu connu parce que machin, non, c'est grâce à sa voix qu'il deviendra connu si jamais il arrive à être connu grand public. Maintenant, vu les millions de vues qu'il fait sur ses vidéos, enfin, il fait le million là, pour la plupart du temps, sur quelques vidéos, je pense, en fait, il a l'air connu, mais pas au niveau grand public, donc ça c'est différent.
En fait, concrètement, vous êtes connu grand public quand vos musiques commencent à passer à la radio. Voilà, quand vos musiques passent à la radio, vous êtes connu grand public. Sinon, vous êtes connu, mais chez vous. Donc non, c'est cool, franchement, c'est cool, hein. Non, franchement, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, ça passe. Enfin bref, c'était Lost in a State 2. Moi, j'aime bien, ça m'intéresse. Ce qui fait m'intéresse maintenant, j'aimerais bien voir un vrai clip. Vous savez le genre de clip que vous faites dans les garages avec avec les belles voitures. Je parle pas des Mercedes et des Audi, hein. Je parle des Lamborghini ou des Ferrari ou autres. Vous savez qui sont juste garés comme ça. Et vous, vous êtes devant, vous faites votre truc et il y a des lumières violettes, bleues, etc. J'aimerais bien voir un clip comme ça, genre un clip professionnel. Juste pour voir ce que ça donne, parce que quand tu fais le million de vues sur tes vidéos, je pense que t'as le moyen de faire un petit clip professionnel. Enfin bref, c'était Loster. Prenez soin de vous. Tchuss.